faire comme les océans. Pour vaincre les méchants, un équipage ultime. Tout signé pour la team, c'est le conquérant sur Blackfoot. Bonjour et bienvenue à tous les amis pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui les gars, on va faire un truc de fou. On va voler un fruit du démon d'un des boss les plus cheatés du jeu. On va voler le fruit du démon de Big Mom. Mais avant toute chose les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez la cloche, on rush les 40 000 abonnés et je sais que vous pouvez le faire. Et likez en bas si vous voulez plus de vidéos sur Bloxfruit. Juste avant les gars, il va peut-être falloir que je me débarrasse des stats que j'ai actuellement. Parce que j'avais fait une vidéo du coup où on testait... Ah bah non, c'est bon en fait. Autant pour moi, j'avais tout mis dans le pistolet, mais en fait je l'avais déjà fait. Bon ouais, c'est bon. On n'a pas de Robux à mettre. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à temps que je vois le prix du fruit de Big Mom. Alors, continuons. Oui, bonjour. Alors, le fruit de Big Mom, les amis, c'est le fruit de l'âme. Spirit. Ok, c'est ici. Ah non, mais attendez, c'est le fruit de l'esprit. Il est où? Attendez. Oui, c'est... Non, mais c'est bien celui-là, de toute façon. Il me semble que c'est bien celui-là. Oui, bah de toute façon, j'en vois pas d'autre. Et dites-moi les gars, en commentaire, un fruit que vous aimeriez que je teste. Comme ça, je serai le prochain que je fais. Bon, en attendant, c'est celui-là. Spirit. Niveau de capacité les gars, il a énormément de capacité. Premier niveau, première attaque, ok. Ensuite 75, peut-être que ça c'est un truc avec la touche F les gars pour se déplacer. Après 150, 250 et il va jusqu'au 350 les gars. Je crois que le max que j'ai fait, je crois que c'était niveau 300 avec le léopard. Mais bon, on va aller voir ça affiché de toute façon. Wow, 2550 Robux. C'est parti, on achète, on le prend les gars, ça va coûter cher. Ah mais c'est pour ça, je me disais bien aussi que l'image elle me disait rien. C'est parce que c'était ça l'ancienne image en fait. Offre spirit, ok, on prend les gars 2000, wow là là, ça fait beaucoup. Ok, oh, on a déjà ça qu'à spawn devant nous. Ok, c'est sympa. Ça a du flow pour l'instant. Ça a pas mal de flow. Alors attendez quand même. Voyons voir Frostfire Grasp. Oh les gars, on a pas mal d'attaques. Hein. Oh, ça va être stylé. Déjà, la maîtrise 75 s'appelle Souverain du Ciel. Mais ça va être trop stylé. Voyons voir. Donc déjà, Frostfire Grasp, qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça, c'est, j'imagine que c'est une attaque. Spirit. Alors attendez quoi? Attendez, j'ai un truc. Spirit 5, 6. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Je sais même pas à quoi ça sert. Spirit 7, je sais pas du tout ce qui se passe, les gars. On peut t'attaquer, toi? Peut-être lui, on peut l'attaquer. Écoute-moi bien, attention à toi. Oh, il a la soul guitare, mais non, mais je la veux. Les gars, il faut absolument que je fasse la quête pour la voir. Mais la quête est pas si simple que ça. Voyons voir, les gars. Oh là là, bah, j'arrive pas à l'attaquer. On va essayer ça sur les ennemis, juste ici. Ok, voyons voir. Qu'est-ce que vaut le Frostfire Grasp? Ok, ah, oh, ça fait une petite attaque. Oh, ça fait combien? J'ai fait du 5000 là? Non, ça a pas fait du 5000. Ouais, oh, calmons-nous. Ah, mais par contre, c'est lent parce que moi là, je suis maîtrise que 1. Ok, ah ouais, non, ça fait du 1000 de dégâts. Ok, wow. Calma. On se met bien, ça va, cousin, on est tranquille ici. Ok. Ah, les gars, mais combien je vais gagner de maîtrise en tuant ce petit frérot là? Bah il a disparu. Mais reviens, n'aie pas peur, reviens, je suis là, je suis ton ami. Hop, allez, est-ce qu'on va prendre un petit peu de maîtrise en le défonçant? Allez, je pense que la prochaine attaque sera la bonne. Vite, le Frostfire Grasp. Oh là là, en tout cas on a du flow, franchement, waouh. Ah mais comme par hasard quand j'enlève mon truc. Ok, toi tu as signé ton arrêt de mort. Boum. Ok, maîtrise supérieure, on va aller jusqu'à combien? Je doute qu'on aille jusqu'à 75. maîtrise 56 quand même, hein. Maîtrise 56. Bon écoutez, on va essayer d'aller se faire un petit boss. Non mais parce que là les gars, la prochaine maîtrise en vrai c'est maîtrise 150. Parce que celle qui est 75 c'est juste un truc pour voler j'imagine. Vu que c'est la touche F, j'imagine que ce sera juste un truc pour voler. En attendant on va se tester sur ce petit boss là. Peut-être qu'il va nous envoyer pas mal de maîtrise. En attendant faut le défoncer. Ah ouais mais là mais ça va être très compliqué. Je comprends pas ce que c'est que les spirits là. Oh, oh, ah mais je peux cliquer et ça attaque. Oh mais quoi, mais ça fait quoi les gars? Mais je suis en train d'invoquer des trucs. C'est moi qui ai fait ça? Les gars, je suis en train d'invoquer des trucs. Oh mais en fait c'est ça les spirits. Mais j'invoque des trucs en fait et ça attaque à ma place. Mais c'est pas mal du tout ça. Hop là, je le renvoie par là. Hop là, et on a un petit spirit. Ok, on en remet un ici. C'est qu'est-ce qu'on a planté? C'est quoi ça? On a planté quoi? C'est un cochon? C'est un cochon qui vole? On a planté un cochon qui vole dans le sol. Ce jeu n'a plus de sens pour moi. Attendez, j'ai deux esprits. Oh, mais c'est quoi? J'ai des cochons qui volent et des petites étoiles. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, ça me heal. L'étoile me heal, je crois. Wow, mais attendez, mais il y a trop de possibilités. Mais c'est quoi ce fruit de zinzin? Allez, on l'attaque. On a fait spawn des grosses grenouilles là et des crapauds bizarres, des armes magiques. Allez-y, armes magiques, vas-y. C'est en train de le faire perdre constamment des dégâts. C'est pas mal stylé en vrai. Okay. Ok, trois petits esprits, hop, on les fait spawn, hop là, deux petites étoiles. Ah mais c'est pour me heal ça. Allez, on va le défoncer. Ah ouais, mais d'accord, mais maintenant que je sais ça, ok, c'est pas mal. Oh, calmos frérot, calmos, je vais te défoncer. Mais c'est quoi les cochons bizarres là? Wouhou. Les cochons là, c'est pour me heal, c'est des petits anges, regardez, c'est des anges cochons. C'est des anges cochons gardiens, c'est stylé. Ouais, par contre, ils sont vénères, hein, les saouls que j'ai à côté là. Wouhou. Reste là, toi, calmos. Hop là, on va te calmer, nous. Moi et mon crew, on va te calmer, mon pote, t'es pas prêt? Et les gars, bien sûr, l'objectif de la vidéo sera d'aller s'affronter Big Mom avec son propre
propre fruit du démon, les gars. Si on arrive à la tuer avec son propre fruit du démon, quelle humiliation pour Big Mom. Allez, allez, allez. Ça va, il perd du 300 par 300. Ça va, c'est tranquille en vrai. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont one-shotables, hein, les petits esprits que je fais spawn quand même. Ok, donc là, c'est juste. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des petits trucs d'attaque? Ce serait pas mal. On peut pas choisir si c'est des trucs d'attaque parce que là, j'en ai marre de faire spawn des cochons soigneurs là. Ah non, je fais spawn un là-bas. Allez, vas-y, grenouille. Oh là là, défends-moi, crapaud céleste. Ah, mais défends-moi. Défends-moi, crapaud. Voilà, défonce-le, c'est ça. Tout ce qu'il mérite. Ah bah il s'est fait péter. Ok, là j'ai les petites étoiles. Oh, un petit arbre. Oh, petit crapaud. Oh, boum. Je t'ai envoyé dans l'arbre et dans le crapaud. T'es foutu, mon pote. T'es foutu. Boum, plus ça en plus. Hop, je te ramène vers eux. T'es foutu. Hop là, encore un arbre. Oh, oh, j'ai fait spawn un giga-arbre. Oh, mais t'es foutu. Il fait quoi lui comme attaque? Aïe, allez, mais chope-le. Ouh, ça l'a chopé. Aïe, aïe, mais je vais mourir, moi. Voilà, pour le coup, je veux bien des petits cochons soigneurs, là, s'il vous plaît. Oh, j'ai fait spawn des arbres encore, mais non. Oh, ils vont le choper, ils vont le défoncer. Voilà, t'es foutu, mon pote. Boum, t'es foutu. Oh là 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 là, la dinguerie, la dinguerie. Oh, voilà, en plus, j'ai les petites étoiles qui me soignent, mais c'est parfait. J'ai invoqué tous mes sbires. Allez, t'es foutu, mon pote, t'es foutu. Oh, c'est stylé, en vrai. Mon dernier esprit va te défoncer. Regarde-le, ce cochon. Non, c'est pas un cochon. Non, je voulais pas faire spawn un cochon. Allez, viens là, mais il fuit. Arrête de fuir. Ne fuis pas à l'évidence. Tu es foutu. Fais face à mes cochons. Il est reparti là-bas, reviens là. Allez, les étoiles, il est moi, il est moi. Et je te donne le coup de grâce. Boum. Maîtrise supérieure. Ça nous envoie jusqu'à où, là, cette maîtrise-là? Wow, 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 wow. Maîtrise 122. Oh, let's go, on a bientôt débloqué au moins la maîtrise 150. Et on a débloqué la maîtrise 75. Et ça, c'est intéressant. Wow, qu'est-ce qui se passe? Une dimension est apparue. Wow, j'ai jamais demandé ça, moi, les gars. Qu'est-ce qui vous arrive? Ok, souverain du ciel, voyons voir. Ah, bah, je vole juste. Ah, mais c'est stylé, ça. Juste, je vole sur mon petit soleil, là. Ça, c'est cool. Écoutez, les gars, bah c'est parti, on va partir à la conquête des autres boss pour aller augmenter nos maîtrises. Ah ouais, mais c'est stylé ça, on est bien là. Mais c'est vrai que ça manque d'attaque, hein, parce que c'est pas en volant comme ça que je vais aller défoncer les boss, mais ça a du flow, ça c'est sûr. Oh, oh, wow, ça, là-bas ça utilise la sound guitare, je veux pas me spoil. Je veux la découvrir, je veux faire la quête ultime pour l'avoir de moi-même. Bon allez, on va aller voir s'il y a Boa Hancock chez elle. Boa Hancock, on vient pour te défoncer en fait, à la base. Oyez, oyez, peuple Amazon, je viens pour défoncer Boa Hancock à l'attaque. Oh, il y a déjà des méchants sur place. Ah ah, et toi, dis donc, tu n'étais pas préparé à ma venue. Hop là, je fais spawn des esprits, tu es foutu. Haha, hop là, je m'envole. Haha, tu n'étais pas prêt à ça. Attention, mes esprits peuvent te tourmenter jusque dans ta tombe. J'ai raté mon attaque. Non, c'est bon, ça a marché. Haha, tu ne sais pas où je suis maintenant. Aou, je m'envole. Haha, tu n'étais pas prêt à ça. Hop là, petit spawn ici. Hop là, boum, je fais ça. Où est-ce que tu es? Aou, je m'envole et je t'attaque. Oh, tu as eu de la chance d'esquiver. Je vais me faire tuer. Je m'envole. Wouhou! Tu n'étais pas prêt? Aou, il m'a chopé dans les airs, je suis foutu! Oh, mais attendez, ils sont deux contre moi là! Aïe, aïe, c'est de la triche! Je vais te défoncer! Wouhou! Esquive! Wow, wow, wow! Mais attendez, mais j'ai créé une guerre là! Comment est-ce que. Mais. Ok! Mais. Il m'a volé mon kill! Mais je sais me défendre tout seul, j'allais le défoncer! Oh là là, on peut même plus rigoler avec ces oeufs, c'est nul! Bon, je vais faire invoquer un esprit, est-ce qu'il y a un esprit qui peut me soigner? Non, pas toi! Pas toi! Pas toi? Non, pas. Oh, si. Petit cochon soigneur? Soigne-moi, cochon. Mais il est tout mignon. Attendez, il est où? Oh, il est là, mais il est tout mignon. T'es tout mignon, toi? Non, il a explosé. Bon, allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a Boa Hancock? Non, elle n'a pas l'air d'être là. Bon, bah, on va se taper des Giant Thailanders. Ok. Boum, boum, boum. Je vous fais spawn tous mes cochons. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, je suis le frérot des arbres, moi. Tous les arbres sont mes amis. Boum. Non, mais là, elle va prendre Taro. Elle va prendre Taro. Oui! Ah, elle m'a fait gagner que 3 maîtrises, mais madame, c'est pas legit. Alors, voyeur, qu'est-ce qu'il y a? T'en veux une? C'est toi que j'ai éclaté tout à l'heure. Ouh là là, il a pas l'air content. Allez, salut! Wouhou! À la prochaine! Ouh, radar activé. Il y a un fruit qui est apparu. Allons vers le fruit. Oh, let's go, c'est parti, je m'en vais vers le fruit. Espérons que c'est un fruit cool. En plus, si on a de la chance, je crois que le fruit, il est juste sur l'île où je voulais aller. Il y a un petit boss à se taper ici, on va le défoncer et en même temps, on va choper le fruit. Ah, 700 mètres, ça me paraît loin quand même. Oh non, le fruit a des spawns, mais non! Mais quelqu'un l'a volé. Bon, c'est pas grave, c'est là qu'on devait aller dans tous les cas. Allez, qui c'est qui va devoir payer les boss? C'est Bibi! Tous les boss respawn et merci à tous pour 50 petits Robux! Maintenant, c'est toi contre moi, boss du Kilo Kilo Nomi. Je vais te défoncer. Allez, viens là. Ok. Ok, je fais spawn tous mes. Hop là, tous les esprits. Bam, bam, on va te défoncer. Ah, ah non, je voulais pas prendre ça. Allez, on te défonce, voilà, voilà. Défoncez là, boum! Oh là là, multiples attaques, on va te défoncer. T'es foutu, tu comprends? Allez, je remets un peu d'esprit. Hop là, voilà. Ça va, on la défonce. Boum! Encore un petit. Hop là, nickel. Bon, là, c'est juste un petit cochon qui me heal. À l'aide. Encore un autre. Allez, s'il vous plaît, un truc qui l'attaque. Il faut l'attaquer là. Je suis contre la déforestation. Laissez-moi tranquille. En même temps, qui est pour? Ah non, je l'ai mis là-bas. Ah, ok, vite, viens vers mon arbre, tu es foutu. Hop là, haha, j'ai fait spawn un crapaud, tu t'y attendais pas? Allez, défoncez-le, mes amis. Défoncez-moi ce boss. Et boum, double crapaud, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je te défonce.
Boum! Et voilà, maîtrise supérieure, let's go! On arrive à la maîtrise 154, ça veut dire qu'on a notre maîtrise 150. Colère de rat. C'est quoi, c'est pour Yeko ça, c'est pour Yeko le rat ça. C'est quoi colère de rat? Ok, ça a l'air d'être pas mal, faut voir ce que... Wesh! Ah, en fait, je m'étais trompé de touche, autant pour moi. J'avais pas vu ce que c'était. Mais ça, c'est assez énervé ça, c'est pas mal. On peut enchaîner des bonnes petites attaques avec ça. On enchaîne, bam, comme ça, ensuite, bioum, bam, pff, wow. Ah ouais, ça fait tomber des météorites, on dirait même. Let's go! Bah là, on devrait bien s'amuser, ça plus les petits esprits, ça va être cool. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Vous savez quoi, on va aller se la faire maintenant. Avec son propre fruit, on va la défoncer maintenant. Oh là, en plus, j'avais pas vu, mais maîtrise 350, ça s'appelle la fin des temps. Oh là 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 là, ça peut être très très vénère. Mais je sais pas si j'aurai le temps, en fait, de monter maîtrise 350. On est à peine 150, les gars. Et ça fait une demi-heure que je joue. Et là, ça va être de plus en plus dur. Bon, en tout cas, on va aller s'essayer Big Mom. Peut-être qu'avec ces attaques-là, on pourra se la faire. Je sais pas. Ok, on va tenter. Ok, et boum. Oh, 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 c'est destructeur. Allez, on met tous les esprits. Allez, on met tous les esprits, on la défonce. Ok, ça va, je sais pas combien j'en avais. J'avais beaucoup d'esprit. Allez, voilà. Tous les arbres. Allez, on la défonce, on peut le faire, allez. Tous les arbres, boum. Un petit coup de feu, un petit coup de chaud pour Big Mom là quand même. Allez, hop là, s'il vous plaît. Non, mais là, y'a plus d'arbres, y'a plus rien là. Boum, tu es un glaçon. Hop là, petit arbre qui va te défoncer. Ok, est-ce que ça marche? Ouhouhou. Désolé, faut pas le prendre personnellement, madame. Aïe, mais je vois plus ce que je fais. Okay. Ow. Ouais, faut prévenir. Boum. Attendez, ça lui a pas fait de dégâts, ça? On lui fait pas de dégâts avec son propre fruit ou quoi? Allez, mais vite, prends-toi des... Voilà, les arbres, c'est très bien, ça. Mais faut l'attaquer, là, les arbres. Ok, et ça marche pas sur elle? Ah si, quand même, ça lui fait un peu de dégâts, j'espère. Boum. Ah, ouah, ça fait pas du bien, hein, ce que je viens de me prendre. On va te défoncer, maintenant, on va te défoncer, moi et mon crew. Ah, waouh. Allez, hop, là, on met des petits arbres sur ta route. Que vas-tu faire, maintenant? Mais comment elle est arrivée là? Mais c'est un truc de fou. On était même pas à côté, mais elle retourne son fruit contre moi, c'est pas possible. Je pense qu'elle peut contrôler son fruit même quand c'est moi qui l'ai. Y a un truc qui va pas là dans l'équation. Attends. Y a un truc qui va pas. C'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal. Voilà, ça fait waouh, mais elle peut pas me faire cette attaque normalement. Mais elle peut pas me faire cette attaque. Mais elle est malade. Je viens de me faire tuer par ma propre attaque. Non, mais y a un truc trop bizarre, les gars. Avec le fruit de Big Mom, y a un truc trop bizarre. Hé, mais je suis même pas là. Mais quoi? Mais attendez, mais ouais, elle m'attaque, je suis même pas dans le truc. T'es une zinzin, toi. Oh, t'es un barjo là, mec. T'es un barjo. Wow. Faut aller te faire soigner là, madame. Et boum. Kawabunga, espèce de folle. Des trucs, s'il vous plaît, qui peuvent la mettre en danger. Pas des cochons volants. Boum. Allez, des arbres, voilà, des arbres, des crapauds. C'est génial, on adore ça. On adore les arbres et les crapauds. Je suis un nénuphar. Ok. Colère de rat. Par la force de Yeko. Oh non, on a même pas touché. Faut bien viser quand même. Hop là, allez, hop là, quelques esprits. Hop là, pour toi, c'est pour te tourmenter. Non mais j'ai invoqué combien de cochons? Ça y est, je suis en train de faire une ferme. Protège-moi au grand arbre. Oh la vache. Pff, il m'a rien protégé du tout. Elle est où? Ow. Ça fait mal. Allez, des arbres là, s'il vous plaît, très vite. Encore des petits arbres, des petits trucs, voilà, mon arbre va te défoncer. Regarde bien comment mon crew, il va te défoncer. Non mais le crew, allez le crew. Aïe, le crew. Allez, vas-y, toi, vas-y, voilà, c'est toi qui va tuer elle. Ah ah, voilà. Et là, on prend nos maîtrises supérieures. Boum, ok, maîtrise 190, ça va, on a gagné 40 maîtrises en tuant le plus gros boss, ok, c'est pas si ouf que ça. C'est pas mal, hein, je dis pas, mais c'est pas si ouf. C'est pas dingue. Ah non, à vrai dire, c'est pas fou. Il va falloir que je me refasse Big Mom, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est compliqué, là. Ça va vite devenir compliqué. Une heure plus tard. Voilà, c'est bon, allez, bouge de là maintenant. Bouh. Oh, j'ai que 12 niveaux pour atteindre la maîtrise 250. Ok, peut-être on peut se faire les pirates. Waouh. Il est apparu d'un coup, je me disais bien qu'il y avait un problème. Est-ce que ça vous fait des dégâts, monsieur? Ah bah oui, ça lui en fait un petit peu quand même. Pas déconner non plus. Bah je sais pas pourquoi, il y avait que contre ce boss que ça voulait pas faire de dégâts. Bah tant pis pour moi, parce que lui, regardez, voilà, je le tue. Voilà, lui, je le tue. Il meurt. C'est le principe de tuer quelqu'un, c'est qu'il meurt après. Boum. Boum. Allez, petit crapaud, défonce-le. J'ai vraiment besoin d'une maîtrise en plus là. Là, ça va plus là. Il me faut des attaques en plus là, c'est plus possible. Elle est puissante cette attaque en fait quand elle marche. Mais faut qu'elle marche, c'est tout. Ok, oh les arbres vont te défoncer, mon pote, t'es foutu. Allez, on peut y arriver. Allez, plus que 8 petites maîtrises. Et on peut y arriver. Allez, on les défonce les deux, voilà. J'apprends à l'utiliser le fruit maintenant. On vous défonce. Hop là, les deux, on les défonce. Voilà. Allez, venez que je vous mette la colère de rat dans la tronche. Colère de rat. Let's go. Un petit coup de. Hop là, voilà. On les défonce. Maîtrise supérieure 245. Allez, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas rien faire. Voilà, boum. Vous aussi, vous en voulez? Tiens, voilà. Prends-toi un petit arbre. Boum. Oh là là, on te défonce, mon pote. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, défoncez-le, les crapauds. Bon, d'accord. M'en occuper tout seul. Allez, j'aimerais bien un nouveau petit pouvoir. Un pouvoir supplémentaire, ce serait pas de refus. Allez, plus que 3 petites maîtrises. Ils sont où, les méchants? On va tous les faire d'un coup. Toi, viens avec moi, toi. Je t'engage. Ok, en même temps, on place tous nos esprits. Bam, bam, bam. Oh là là, les arbres. On les défonce, voilà. Allez, prenez ça. Oh là là, maîtrise supérieure, on les a défoncés. Ah bon, on les a défoncés. Ils sont morts. Il en reste un petit peu là, alors. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait là, monsieur? On peut rester ici tout seul, ça peut être dangereux. Viens, toi aussi, viens là, toi. Hop là, un petit crapaud supplémentaire. On se le met pour le kiff, mais voilà, mais il vous défonce. Allez, crapaud.
drapeaux, défonce-les. Voilà, au moins un. Non, j'en ai pas d'autres. Bon, c'est pas grave. Hop là. Wouhouhou. Et on passe à la maîtrise supérieure de 150. Let's go. Alors, voyons voir ce que c'est. La Wrath of Shu. La colère de Ra et la Wrath of Shu. Ok. Voyons voir ce que ça fait. Wouhou. Oh, mais ça transforme tout le monde en glaçon dans les environs, là. C'est ça que ça fait. Bah, c'est déjà pas mal. Ça, tu mets ça plus les esprits. Bah voilà, mais on vous défonce facile maintenant. Hop, tu fais ça, t'arrives. Hop, Wrath of Shu. Piouf. Et ça a pas marché ce que j'ai fait. Wow, si, ok, d'accord, il y a eu une petite détente. Ok, d'accord. Ok, ça marche plutôt bien. On a la giga attaque de feu. On a la petite attaque glaçon. Là, on a re-encore une attaque glaçon. Donc, je pense que la fin des temps, ça va être une attaque de feu ou alors une combinaison des deux. Parce que là, en fait, on les transforme juste en glaçon, en fait. Intéressant. C'est pas mal intéressant tout ça, les amis. Mais je pense qu'on va pas atteindre la maîtrise 350 aujourd'hui. Parce que là, ça fait quand même très très longtemps que je suis dessus. Pour la maîtrise juste 250, peut-être que j'évoluerai hors vidéo et qu'on découvrira ça ensemble. Bien sûr, je nous réserve le suspense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi quel fruit vous voulez que je découvre dans une prochaine sur Bloxfruit. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Mais avant de partir, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets la cloche et like si t'en veux plus. On rush les 40 000 abonnés et je sais que vous pouvez le faire. Salut !